Attention Gilles, 9 bravo Charlie, 5 5 5 pour 14 km, 33 01 Rémi, qui t'appelle depuis le sud-ouest France et là actuellement depuis la base Stalker 20. Ok, alors tiens, tu peux me dire là sur quelle fréquence je suis là exactement, là pendant que je parle, là pour voir un petit peu comment est positionné le clarifieur là chez toi, des petites infos comme ça là pour voir un petit peu là où j'en suis là sur la au niveau de la base Stalker. Ok, d'accord, voilà, ok. Donc là je suis là sur la base Stalker, la Timberry Stalker 20, je ne sais plus après le nom, la suite du nom. Bon, bref. Donc là, je suis en train de faire un petit test là-dessus. Bon, la même mère, elle n'est pas toute jeune. Bon, tout n'est pas parfait. Il y a des petits trucs qui vont devoir se régler après, par la suite. J'attends pour le moment. J'attends de l'utiliser suffisamment, de cumuler suffisamment de petits défauts, de petits détails à régler par. Je sais où je l'emmènerai jamais. De mon côté, il y a un réparateur, vendeur, SAV Radio 33, voilà comment il s'appelle. Donc là, j'attends de cumuler un petit peu plus de petits détails comme ça, là, qui sont à améliorer, à arranger, pour, avant de lui emmener. Je suis en train de regarder le poste et je cherche en même temps ce que je dois dire. Autant dire que là, ça bug. En même temps, j'irai avec lui s'il est possible, en ajoutant un bouton ailleurs, d'avoir les fréquences terminaison 0. Les puces 10 aussi pour avoir les canobis ou alpha, des trucs comme ça. Je verrai ça avec lui, ce qui est faisable et tout ça. Enfin bon, bref. Là déjà, là je crois que là j'ai assez tenu le micro, tu vas pouvoir me dire ça. Allô Houston, nous avons perdu 9 bravo Charlie 555. Tu es sûr? Parce que là, normalement, on est sur le 27-625. Ou alors, j'ai mal compris ce que tu m'as dit. Oui, c'est ça. Avec 625.6. Ah, tu m'as fait peur, tu me rassures. Ok. Ah oui, quand même. Oui, d'accord, ok. Bon, ça fait 600 Hz plus haut. D'accord, ok, d'accord. Tiens, tout à l'heure, j'ai pris le micro là quelques fois comme ça pour essayer de tendre la perche. Il y avait la vache folle qui passait. Et tu te rappelles l'année dernière, ou plutôt l'hiver dernier, à chaque fois qu'on entendait la vache folle, on savait que ça passait des deux côtés. Bon, tu devais être pris certainement tout à l'heure. J'ai pris le micro, tac, j'ai un peu papoté dedans comme ça pour voir. Bon, ça n'a pas répondu, mais quand j'ai entendu la vache folle derrière, oh, je me suis là, c'est bon. Ah, ça n'a pas l'air de passer trop bien de ton côté. La propague n'a pas l'air d'être très top, là, on dirait. Hein. Ouais, ok, ouais, j'ai bien reçu. Hein. J'ai eu Roger, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Bon, ben, malgré tout, là, ça marche bien. Hein. C'est ouais. J'espère bien après bon là, qu'est-ce que je vais dire comme connerie. Alors en fait, les 30 et quelques EQSL, tu les as vus, ça y est, t'as tout ouvert.
putain, j'hallucine. Oh la vache, hey, c'est hallucinant quand même, hein, tout le nombre de EQSL que tu as reçu. Hein. Bah tu vois, comme quoi ça, c'est quand même bien utile, c'est quand même bien pratique. Alors, les stations qui seraient en écoute là derrière, vous pouvez retrouver 9 Bravo Charlie 555 sur le site Cluster DX pour l'inonder de EQSL. Hachi ! Il est content, il en veut d'autres, il en veut encore plus. Maintenant, surtout que maintenant, là, il sait comment répondre. Il y a quelqu'un à Noël là, qui lui a expliqué comment faire. Hachi. Ouais, non, mais c'est vrai que là, c'est... trêve de plaisanterie. c'est vrai qu'au début, moi, c'est pareil. Hein, je me suis fait aider aussi. Hein. Bah, d'ailleurs, par... ah ben zut 14 kilomètres. Ah zut, une YL qui est du côté de la Bretagne. Ah ça c'est pas bien d'oublier son indicatif. Oh je zut, je sais plus. Bon c'est pas grave. Ok, QSL, je vais basculer sur l'autre poste. Je vais basculer sur le Yazoo qui est au-dessus, comme ça, tu n'auras pas besoin de naviguer d'un poste à l'autre. D'une fréquence à l'autre, je veux dire. Alors, là. Bonjour, Francis Cotonou, comment tu vas mon ami? Alors bon, on reçoit rien en haut, c'est normal. Il faut que je change de l'antenne. Il faut que je change le... Je passe d'un poste à l'autre. Ah si. J'attends de voir un petit peu. Je tarde à changer. Je préférerais largement rester sur la base. Bon, évidemment, sur la base, avec le haut-parleur intégré, j'ai pas de filtre DSP et tout, ceci, cela. Mais bon, c'est une autre qualité audio qui est quand même meilleure. Même si elle est QRM. Alors en ce moment, ce que je m'amuse à faire, je baisse un peu, ce que je m'amuse à faire là, quand, en ce moment, quand je suis en repos et tout ça, c'est, eh bien, j'enclenche la programmation. Comme là, aujourd'hui, là, j'ai travaillé cette nuit. Donc là, bon, ce matin, le temps de rentrer, patin couffin, vu que je suis en repos après, là, cet après-midi, ce soir, je me suis mis le poste, la base, en programmation. Donc, à midi 5... Oh là là, le petit
Ah, donc, à midi 5, eh bien, la base s'est allumée toute seule. Comme quoi, c'est pas mal sympa, c'est pas mal pratique. C'est des petits détails, on est sur un simple poste de civil, hein. Faut bien le garder à l'esprit. C'est des détails que, avec l'évolution de la technologie, qu'on a perdu. Donc, eh bien, le bien plus pratique, eh bien, c'est dans le matériel vintage qu'on le trouve. À Chitroicou, ça, c'est un petit clin d'œil vers ceux qui pensent que forcément, il n'y a que la technologie qui est actuelle qui est valable. Là, moi, la vraie technologie bien pratique, c'est là que je la vois. Et donc là, j'ai en même temps un visuel sur l'autosmet. C'est ces bruits-là tout à l'heure que j'entendais. Alors la base est en 80 canaux. Franchement, c'est bien suffisant. Parce que je refais une petite démonstration en même temps là, de la base. Hein. Puisque la précédente vidéo que j'ai fait propre pour la base a été complètement pourrie par le logiciel. Mais bon, changement d'ordinateur depuis. Non, c'est pas pour ça que j'ai changé l'ordinateur. C'est parce que celui que j'ai actuellement, c'est l'XYL qui va le récupérer. Donc c'est l'occasion. Et là, pour le coup, les montages vidéo que je fais maintenant. Voilà, c'est ça que j'entendais tout à l'heure, qui m'a indiqué qu'il y avait des chances que du côté Québec, ça passe. Waouh, 57. Donc là, je reprends les fonctions le temps 2. Quand je me mets là en position cale, j'utilise le bouton extérieur pour calibrer manuellement l'autosmet. Non, je vais pas le faire, je vais pas le déranger. Je vais faire vite même pour passer sur l'autre poste. Donc filtre NBANL, low E, 40 canaux normaux, 40 canaux supérieurs. Là, la fonction scan avec le canal 9. Position tosmètre, position calibrage tosmètre, position modulomètre pour en AM. Manuel power, eh bien, mise en marche manuelle de la base. Mise en marche programmée de la base. Mise réglage de l'heure. Là, je sais plus. J'ai pas trop bien compris la fonction. Après, au-dessous, bon, ben, volume, scratch, réducteur de réception, ben, joie de biais, je rate pas trop les étiquettes du coup. Réducteur de réception, réducteur de gain micro, tonalité. Tiens donc, je suis en train de me dire, le bouton tonalité. Ouais, lui, là je viens d'avoir une idée. Je sais pas combien coûte un kit de filtre de DSP. Mais cette fonction peut être utilisée pour le filtre, pour incorporer un filtre DSP par exemple. Bon, FM, AM, USB, LSB. Si on regarde bien, on voit que c'est une version pour l'Europe, puisque l'écriture FM est sur une étiquette rajoutée.
Là aussi, je ne l'ai pas montré, mais l'OI, c'est l'étiquette qui a été rajoutée. La version américaine est sur 40 canaux. La 80. Et là, bon, bah, à droite, le clarifieur. Derrière, branchement 220 volts. Branchement 13 volts 8 aussi, car cette base peut être branchée dans le push. Quoique, j'aurais plutôt une base comme ça dans un billpat. Mais bon, il y a une sortie 13 volts 8. Bon, ben, le fusible, hein, évidemment. Et branchement, branchement antenne. Donc voilà, le temps 2. Je coupe. Voilà, donc je coupe la vidéo pour reprendre aussitôt sur l'autre poste. Oh, je me trompe de micro. Alors que je protège. Là, ici, je prends le micro du Stalker et je me dis, ça passe pas en émission. Rémi de retour. Ah, ça bouge. Kilomètres 33-01 de retour. Ok, là je suis calé. Un, deux, ok. J'ai pas compris. Hein. D'accord. Il est avec quelqu'un. Bon, là non plus, j'ai pas eu le temps de brancher le web SDR de Montréal sur le PC à côté, décidément. Alors, vu que je suis en transition là, entre deux PC, hein, c'est pas toujours évident d'arriver à faire ce que l'on veut. Enfin, au moment où on le voudrait surtout. Et c'est pas grave. Peut-être demain. Voyons un peu. Ah. Alors, canal 6. Wow.
y a des démonstrations de puissance. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Canal 11. 085. Ouais, d'accord, là aussi, ouais. Effectivement. J'avais remarqué aussi que là, il y a... C'est le Big Ball également, là. Tiens. Je ne l'ai pas inventé, il vient de le dire. Le Big Ball. Ceux qui veulent s'exercer avec le rempli. Canal 6, canal 11. Voilà, je remonte vite là-haut. J'entends plus personne. Tu as quelqu'un de ton côté? J'entends plus personne. Ok, parce que vu que là je suis, j'ai les deux ordinateurs qui sont pris sur autre chose là du coup derrière moi, je me suis pas encore mis là sur le web SDR de Montréal pour suivre en même temps l'activité de ton côté, Hachi. Je vais essayer de voir ça pour demain. c'est vrai que là ça me manque hein, de pas pouvoir écouter la web SDR de Montréal. De ne pas avoir un suivi là, de QSO en même temps. Hachi, trois coups. Ah, je suis pas prêt du tout. Bon, là, en tout cas, là je te parle là, maintenant depuis le Yazoo. Bon, j'imagine qu'au niveau signal, de toute façon, là, ça doit être la même chose. Hein. Ça doit être grosso modo pareil, quoi. Ouais, ça fait le yo-yo. T'es descendu à Santiago 3, là. Ça fait le yo-yo. Oui, oui, bien sûr qu'on prend des contacts. Évidemment, oui. Mais bon, t'en prends plus de ton côté que moi du mien, quoi. C'est hier, avant de t'avoir en fréquence, là, oui. Là, oui, là, je me suis régalé, quoi. Et c'est arrivé d'un coup, quoi. Et là, toi, là, ça... Du côté Gironde, ça veut pas, hein. C'est... J'entends que toi. J'ai des oreilles que pour toi. Hachi. Ah oui, ça fait le yo-yo, oui, effectivement, je confirme. Ça fait le yo-yo. Bon alors, attention les stations en fréquence pour le groupe des Tannants. En avant. Cette boîte un décamétrique, mais l'écoute, hein, eh bien je ne trouve pas aussi... je vais couper le DSP. Voilà. Pourtant, si, les filtres sont mis. On a pu remarquer que, malgré tout, eh bien, on entend quand même mieux sur la base que sur le décamétrique. Et ça, c'est pas logique. Enfin, pas pour moi, en tout cas.
que l'écoute soit meilleure sur le poste de CB. Bon, ok, d'accord. Ça, je comprends. Mais que la réception soit aussi meilleure sur le poste de CB que sur le décamétrique, là, je pige pas. Il n'y a pas de changement d'antenne, c'est la même antenne. J'ai juste passé le raccord de la base au DK, c'est tout. Et lui, le DK, s'il n'a pas le DSP derrière... Oh, la propague a tourné. Bon, je pense que là, je vais faire ce que j'ai une vidéo là qui tourne. Je crois que je vais faire une pause vidéo là pour l'instant, puis et puis on verra bien tout à l'heure. À toi, ça navigue entre 46, 44. Ça reste, ouais, c'est très calme, hein. C'est très calme, hein. Où a mis les vitamines? Il a vu les vitamines. Ah, le signal, il a monté, effectivement. Ah oui, c'est du 57 là. Ah, ok, désolé. Ok, ben tu l'auras dans la vidéo parce qu'il est aussi passé de mon côté. Ouais, je suis aussi en train de faire une vidéo. Donc l'OM qui a lancé appel, je l'ai eu aussi de mon côté, hein. Non, une station, je sais plus si c'était anglophone ou quelqu'un qui parlait pas français. Il est passé aussi de mon côté. Oh là, mets les vitamines un petit peu là. Fais quelque chose. La propague a chuté là. Là tu passes QRP là. Bon alors. Je trouve qu'il y a trop de verre. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Là, c'est. Non, là, 1. Alors là, c'est censé être bleu. C'est censé être bleu. Bon, là, 1, 2, 3, ok. Alors ça marche par le... Il y a un micro intégré, hein. Et pourquoi pas à la... zut. Oh zut, comment c'est déjà ce feuilleton avec la voiture, là... Alors, ouais, bah t'as, pourquoi pas là-dessus. Alors, petite anecdote, hein. Petite astuce en même temps. Je me sers de ça pour cadrer ma caméra. Autrement dit, voilà, ok, là. Vous avez vu là, le point central est là.
Eh bien, sur ma caméra, j'ai un quadrillage là, qui est mis là, du côté, de mon côté là. Et j'ai justement, au niveau du quadrillage, une ligne qui passe au centre. Et je me cale dessus, ce qui me permet de bien équilibrer la caméra de chaque côté. Chacun ses petites astuces. Hein. Ça... Oh oh! Et 73 de Québec-Canada, du sud-ouest France, Dundee 33, 14 km, 33-01. Je suis sûr que de la vidéo, on arrivera à mieux comprendre. Parce que là, moi... Oh, mais cette modulation, c'est pas... Oui, monsieur? Je sais plus. 14... n'importe quoi. 9 PAT... Je sais plus combien. Oh, je sais plus. Et au fait, canal 26, 265. Attention le Québec-Canada, attention le Québec-Canada pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Sur le Québec, il y a des habitués là, qui se mettent sur le canal 26. Je les ai déjà eu en fréquence. Hein. Pendant un moment, là, c'était presque tous les jours. Hein. Ben, l'hiver dernier. Bon, ça ne veut pas. Waouh. Là, le Québec-Canada vient aussi sur cette fréquence-là lancer des appels. Là, de temps en temps, ça devient tellement du n'importe quoi que j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qu'avant qui lance appel là, mais qui vont plus sur les, directement sur les fréquences de dégagement. Et ils ont raison. Il suffit d'observer les radioamateurs ce qu'ils font. Ils n'ont pas de fréquence d'appel, eux. Ils se mettent sur une fréquence, ils lancent des appels. D'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux ou même sur le forum La Planète Sibi francophone des gens indiquer sur quelle fréquence ils sont. C'est pas plus mal aussi. Voilà, je retourne à mes occupations. On verra après si s'il y aura une suite à la vidéo ou pas. Faut que j'avance, ça va du côté PC. Je peux pas être partout, quoi. Sinon ça va bugger. Quoi. Je vais faire des conneries, sinon. À de suite, sinon à la prochaine. Thank you.
I pulled you out of there quick there. 66, you made the trip into Pennsylvania, 5 by